Bonjour à tous. Alors, je viens vous offrir une nouvelle guidance. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme. Alors, je viens vous transmettre un nouveau message avec cet oracle. Je mets les références de l'oracle sous la vidéo. Et pour ceux qui veulent recevoir des soins personnalisés, participer aux soins collectifs de février ou recevoir une guidance personnelle, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Alors ici, on nous parle de paix du cœur. La paix du cœur. Donc pour certains, ce peut être un objectif à atteindre. Vous marchez vers la paix de votre cœur, vous marchez vers la paix intérieure et la guérison, l'ouverture de votre centre cœur. Et pour d'autres, vous y êtes et vous allez pouvoir vraiment manifester dans la paix depuis votre cœur. Donc je peux voir que des guérisons du cœur sont accomplies et que des guérisons du cœur sont en cours. Ça va dépendre là de chacun, ça va dépendre où vous en êtes sur votre chemin. Donc, on nous parle de changement ici. Certaines personnes sont en train de recevoir des inspirations, des idées, des envies, des désirs particuliers peut-être pour amorcer un changement dans leur vie. Et ces changements ont besoin d'être alignés au cœur. C'est pour ça qu'on me parle de guérison du cœur, pour que le cœur puisse manifester dans la paix, sans être interféré par les blessures ou les échecs du passé. Donc ici, premièrement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes peuvent recevoir des guérisons au niveau de leur cœur pour ressentir davantage de paix, pour être en paix avec eux-mêmes, avec leur passé et avec leur vie, pour pouvoir manifester un changement depuis le cœur, pour pouvoir manifester un rêve, un désir qui est logé profondément dans votre cœur. Et parfois, on ne parvient pas à atteindre certains rêves de cœur à l'intérieur de nous, parce qu'il y a trop de blessures, donc on n'arrive pas à accéder aux souhaits du cœur qui sont souvent cachés. Le cœur murmure alors que le mental et l'ego hurlent, et il n'est pas toujours facile d'aller écouter le cœur. Et quand le cœur a été blessé, il est recroquevillé sur lui-même, et il a du mal à parler, il a du mal à nous murmurer ce qu'il désire, et il a du mal à manifester. Et c'est vrai qu'on génère davantage d'abondance, d'harmonie et d'amour dans notre vie quand on manifeste depuis notre cœur. Donc pour manifester depuis notre cœur, on a besoin de passer par une période de guérison. Et j'entends que pour beaucoup de personnes, vous êtes au bout de cette guérison du cœur et vous êtes prêt à manifester un changement dans votre vie. Et c'est un changement qui est aligné à la vibration de votre cœur, à un rêve, à un souhait, un désir qui est logé tout au fond de votre cœur. Donc c'est peut-être un rêve d'amour, mais pas que. C'est peut-être vraiment un rêve, un souhait, une manifestation que votre cœur porte. Et donc le cœur et l'âme travaillent toujours ensemble. Donc ici, vous pourriez bien être inspiré par le cœur, par l'émanation du cœur, pour apporter certains changements dans votre vie ou pour vous lancer dans une nouvelle aventure qui correspond vraiment aux souhaits de votre cœur, parce que votre cœur a guéri ou est en train de guérir. Donc vous allez pouvoir entendre et suivre la voix de votre cœur. Vous allez peut-être accueillir de nouvelles envies, de nouveaux désirs qui étaient un petit peu bloqués par les blessures. Donc là, je vois des cœurs qui sont guéris et qui recommencent à vibrer.
Donc, vu que vous vibrez depuis votre cœur, vous émanez davantage d'amour, votre fréquence s'élève et donc vous attirez aussi des synchronicités et des changements positifs alignés à votre âme et à votre but de vie. Je sens que votre émanation, ce que vous émanez, votre fréquence s'élève et se purifie, dans le sens où vous n'êtes plus interféré par les mémoires du passé. Votre cœur est en train de se purifier. Donc ici, vous pouvez accueillir des désirs, des envies, des ressentis particuliers. Le cœur guide souvent par les ressentis. Et souvent, on ne s'écoute pas et on a du mal à suivre ce qu'on ressent. Parfois, on peut s'étonner de ce qu'on ressent ou des envies et des désirs que l'on peut avoir. Parce que ces envies et ces désirs étaient cachés par les blessures. Et donc là, elles rejaillissent à la surface. Et on me parle de plusieurs personnes qui vont être inspirées. Et on vous dit de suivre ces inspirations et ces ressentis parce qu'elles sont guidées par le cœur. Et donc, elles vous emmènent forcément vers un épanouissement. Et c'est forcément juste et aligné à la route de votre âme. Le cœur murmure les paroles de l'âme. Voilà, ici on a le feu, la gardienne du seuil. Donc on voit que vous mettez au feu, en fait, vous mettez au feu les mémoires et les blessures qui sont en lien avec votre passé et que vous allez sortir comme neuf de ce processus. Donc si vous sentez que vous êtes encore un petit peu embrumé par certaines mémoires ou blessures de votre passé, si vous sentez que parfois votre passé vous rattrape et a tendance à saboter votre présent et vos manifestations, faites appel au feu sacré. Vous demandez que le feu sacré soit actif en vous, autour de vous et dans votre vie. Vous pouvez prononcer cette phrase régulièrement, plusieurs fois et allumer une bougie. Donc ici, on voit que certaines choses du passé qui vous empêchent de manifester votre cœur partent au feu pour vous permettre de redémarrer comme neuf et d'être bien à l'écoute de votre cœur et de vos ressentis. Donc pour certains, vous allez entendre un message ou avoir un message important ou avoir un ressenti assez important qu'il vous faudra suivre en fait. Voilà, on vous parle de vos intentions ici. Donc vous allez accueillir une vision claire. Pour certains, vous êtes peut-être sur le point de recevoir un message important, une guidance intérieure qui détient une clé pour vous. Une forme de révélation, de vérité, de très forte intuition. Au fur et à mesure que les mémoires et les échecs du passé partent au feu, vous purifiez votre esprit, vous allégez votre mental et votre esprit et vous pouvez y voir plus clair et accueillir la grande vision, accueillir la vision du cœur, la vision de l'âme. Donc ici, on vous montre la voie, où on vous montre les changements que vous avez besoin de mettre en place dans votre vie pour réaliser votre souhait de cœur, pour vous réaliser entièrement et complètement, pour être épanoui et dans le bonheur. On nous parle de paix hein, ici. Voilà, donc ici on voit qu'une guérison a eu lieu ou qu'une guérison est en cours. Cette carte, elle me le confirme. Donc, vu qu'une guérison a eu lieu ou qu'une guérison est en cours, un changement peut se produire dans votre vie. Et ce changement, il se produit déjà premièrement dans vos énergies et dans votre cœur. Vous allez vous sentir différent, différente, comme neuve. Vous faites peau neuve de votre passé. Tout part au feu là.
Voilà, je fais le premier pas. Donc ici, vous êtes guidé par la voix du cœur, par la voix de l'âme, pour faire un pas en avant. C'est carrément un renouveau qui s'ouvre à vous. C'est l'âme et le cœur qui guident. Donc apparemment, il y a des changements qui sont prévus dans votre vie. Et ces changements, ils partent déjà de vos intentions par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous souhaitez. Vous avez besoin d'envoyer vos demandes, vos affirmations vers les hauts plans divins. Et donc les forces célestes, la force universelle vous aidera à manifester ces intentions et vous allez être inspiré pour avancer pas à pas sur la juste voie, sur la voie de votre épanouissement. Mais ça part vraiment de vos intentions, de vos idées, de vos pensées qui vont se renouveler. Vous allez accueillir un renouveau dans votre esprit et dans vos pensées. Et vous allez être davantage en paix à l'intérieur de vous, parce que votre cœur se guérit. Donc on me dit que c'est un dépouillement de l'ego, que vous vous êtes dépouillé ou que vous êtes en train de vous dépouiller d'un trop-plein de fausses croyances, d'illusions. Et que vous allez pouvoir accueillir maintenant une vision claire et pure qui est vraiment inspirée de l'âme et du cœur. Voilà. Il y a une pureté qui est là. Une pureté. Et ici, on voit que vous vous êtes dépouillé, débarrassé du trop-plein. Et on voit le ventre d'une femme enceinte. Donc, vous êtes en pleine gestation pour manifester un changement, une évolution dans votre vie. Donc, ici, on me parle d'écoute intérieure. L'écoute intérieure est très importante en ce moment pour vous, si vous vous reconnaissez dans le message. Prenez des temps de pause, de calme avec vous-même pour entendre à l'intérieur de vous. Pour entendre le cœur et l'âme. Donc on me parle de véritable renaissance ici pour les personnes. Donc on me dit qu'il y a plusieurs possibilités pour vous, plusieurs voies, que plusieurs voies sont possibles, que vous pouvez essayer là où vous n'avez pas essayé, que vous pouvez vous ouvrir à l'inconnu. Vous pouvez être inspiré par une nouvelle voie, une nouvelle pratique, un nouveau domaine ou une nouvelle façon de faire. Vous pouvez installer de nouvelles habitudes, de nouveaux rituels dans votre vie et c'est inspiré de l'âme et du cœur. Une voie inconnue peut s'ouvrir à vous ou vous intéresser. On vous dit qu'il y a plusieurs chemins qui vous mènent vers votre but et vers votre épanouissement. Il n'y a pas qu'une seule voie ou qu'un seul chemin. Il y en a plusieurs. Vous avez le choix, apparemment. Plusieurs voies, plusieurs possibilités, plusieurs solutions vont vous être montrées. Et on vous dit de rester ouvert au renouveau, à l'inconnu, à ce que la vie peut vous proposer et de rester ouvert et en accueil par rapport à ce que vous pouvez ressentir parce que peut-être que ça peut vous surprendre. Vous pouvez être surpris des idées, des envies que vous avez parce qu'elles peuvent être nouvelles et pour certains originales. Donc vous avez plusieurs moyens, plusieurs voies pour atteindre votre rêve de cœur et vivre votre épanouissement. Et ces voies vont vous être montrées. Donc on nous parle
d'initiation ici. On nous parle d'initiation, donc vous êtes guidé, vous traversez un grand passage et vous êtes accompagné dans ce passage qui vous mène vers une manifestation, qui vous pousse à manifester votre cœur et votre âme. Donc là, les portes s'ouvrent, les énergies s'ouvrent autour de vous et à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur. Alors vous pouvez ressentir des symptômes au niveau du thorax, de la poitrine ou du plexus solaire. Donc on me dit que vous êtes initié actuellement. Ou qu'une initiation va bientôt démarrer. Vous êtes influencé par l'énergie de l'initiation. Donc ici, on nous parle d'amour de soi, d'amour de la terre, d'amour des plans célestes. Donc là, c'est vraiment le cœur en premier. C'est le cœur qui cherche à s'exprimer, c'est le cœur qui cherche à être aux commandes. Donc ce peut être un nouveau fonctionnement que vous accueillez. Ça peut vous déstabiliser au début parce que souvent, c'est l'ego et le mental qui sont aux commandes. Et quand ça bascule au niveau du cœur et de l'âme, on peut se sentir un petit peu perdu. Parce qu'on change de base et de fonctionnement. Et c'est assez profond et ça ne se fait pas d'un coup, ça se fait par étapes. On apprend à manifester depuis le cœur et l'âme. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école, en Occident en tout cas. Donc là, vous êtes initié à ce que je vois, à ce que je pressens. Vous êtes initié pour manifester votre vie depuis votre cœur. Vous allez apprendre à manifester votre vie depuis votre cœur. Vous allez apprendre à entendre, à écouter et à suivre votre cœur. Parce que le cœur sait. Et parce que le cœur, il est relié à l'âme. Et que votre vérité, votre équilibre, votre voix se trouve au niveau de votre âme. Votre âme sait, le cœur sait. Donc vous êtes accompagné dans ce passage particulier, vous n'êtes pas seul, vous avez des guides, des maîtres ascensionnés qui sont spécialisés pour vous apprendre à vivre depuis ce cœur. Puisque le cœur est réparé, le cœur est guéri. Donc le cœur peut manifester, le cœur bat à nouveau. L'énergie d'amour circule à nouveau dans le cœur qui s'est désencombré des mémoires du passé et qui a guéri. Donc le cœur est en pleine forme pour pouvoir manifester votre vie. Voilà, on nous parle de dépouillement encore ici. Donc là, je vois des personnes qui ont guéri, qui font peau neuve. Je vois même l'énergie de Kundalini, le prana, le ki, l'énergie de vie qui circule mieux dans votre colonne de chakra et qui vous apporte une certaine paix, une certaine sérénité intérieure et davantage de vitalité. Vous allez être aussi plus à l'écoute de votre corps. Vous allez créer un lien plus fort avec votre corps parce qu'on vous dit que votre corps vous parle. Votre corps a des messages importants pour vous et on vous conseille d'aller écouter ce corps. Là, c'est l'énergie de l'âme et du cœur qui rejoint l'énergie du corps en totalité. Donc vous êtes en train de développer une certaine unité intérieure. Donc ici, je vois qu'il y a eu de grandes guérisons qui se sont produites ou qui sont en cours. Voilà.
je remercie et salue mon passé. Donc ça, c'est une affirmation que vous pouvez prononcer assez souvent si vous vous reconnaissez dans ce message, c'est que vous êtes dans ce processus sacré et divin. Et donc, vous pouvez prononcer cette affirmation plusieurs fois, assez souvent, en allumant une bougie. Je remercie et je dis au revoir à mon passé. En gros, le passé est guéri et n'interfère plus dans vos manifestations présentes et futures. Donc, c'est une grande réussite. Ici, c'est un grand travail sur soi qui a été accompli. On a la couleur verte qui vraiment symbolise la guérison et ce cœur qui vibre au centre. Donc, on me parle de personnes qui ont travaillé de longues années sur elles, qui ont traversé de grandes épreuves, de grandes périodes de purge et de purification de l'âme et du karma. Et je ressens des personnes qui développent leur unité et leur force de manifestation par leur force du cœur, qui sont dans une ouverture horizontale. Voilà. Donc on vous dit de prendre soin de vos intentions, de prendre soin de vos rêves et de vos pensées, de poser des gestes régulièrement, et qu'en faisant cela, vous allez vraiment manifester votre cœur. Donc là, vous avez besoin d'envoyer des intentions et de les nourrir régulièrement pour les voir se manifester dans votre vie. Et apparemment, c'est votre cœur et votre uni à votre âme qui vont vous inspirer ces intentions, ces pensées, ces envies, ces désirs. Et votre corps aussi, n'oubliez pas votre corps, parce que votre corps, il vous parle. Donc on essaie de vous montrer toute votre grandeur d'âme, toute votre grandeur de cœur et toute votre force de manifestation. Vous êtes initié en fait. Hein. Et ça passe vraiment par votre corps et par vos cinq sens. Vous avez vraiment besoin d'être à votre écoute. Donc vous êtes vraiment initié pour manifester la vibration du cœur et de l'âme pour que cette fréquence, elle prenne vie dans votre matière concrète et qu'elle façonne votre existence, ce qui va vous apporter une grande paix et un grand épanouissement et de la joie aussi. Alors ça peut créer ou ça a pu créer une forme de chaos où tout s'est ouvert, tout s'est brisé, tout s'est cassé pour laisser passer la lumière et pour accueillir la guérison, pour pouvoir dès à présent accueillir le changement. Quand une manifestation passe des hauts plans divins au plan terrestre, ça crée une faille. Donc ça peut créer du mouvement dans nos vies, ça peut créer une forme de chaos passager et transitoire pour que la manifestation puisse prendre forme, pour que le changement puisse être. Donc il y a certaines choses qui peuvent bouger, qui peuvent casser, qui peuvent exploser, et on vous dit que ça fait partie du changement et que vous êtes initié pour accompagner ce passage. Vous êtes accompagné et guidé, vous n'êtes pas seul. Donc si certaines choses dans votre vie s'effondrent ou explosent, on vous dit que c'est normal, que ça fait partie du changement. Je souris à mon cœur brisé. Vous voyez, c'est vous envoyez un sourire dans votre cœur, c'est un sourire qui commence à se dessiner dans votre cœur. Donc on me parle de personnes qui ont été très blessées, qui sont très sensibles et qui ont été très blessés dans leur passé, et vous êtes vraiment en train de vous guérir au niveau de votre cœur pour changer de vie peut-être, et pour d'autres pour changer de voie. Donc ici on vous annonce la joie,
l'équilibre et l'épanouissement. C'est votre but. Et vous êtes initié pour atteindre, pour vivre cette joie, ce bonheur et cet épanouissement. Donc vous êtes bien en train de développer votre unité intérieure et de retrouver la vibration de votre cœur qui a été très affecté par le passé. Voilà, en tout cas, c'était le message du jour que j'avais à transmettre aux personnes concernées. Donc voilà, j'ai été heureuse de vous transmettre ce message. C'est un très beau message. J'espère que les personnes concernées pourront recevoir ce message en temps juste. Voilà, donc je reste disponible hein, pour ceux qui souhaitent un message personnalisé ou se diriger vers des soins. Et je vous souhaite le meilleur à vivre. Merci de votre présence et je vous dis à bientôt.